il en fait pour nous. On le fera pour vous, car dans la vie mon présent c'est l'avenir. Qu'en sera-t-il de tous à la base? Des progrès, progrès à la base. Je procède à des firmes. Oh, vous m'avez tellement manqué, très cher fanatique, votre serviteur de tout le temps de Bordeaux, les confins, humble serviteur. Bon, j'entends les choses qui se disent un peu sur la toile, non, de Bordeaux, les confins. Qu'est-ce qu'il en est de cœur du sale? Bon, venez en parler. Vous êtes près de 2000 à me suivre en moins de 5 minutes. Ça, c'est impossible pour un artiste comme de Bordeaux, les confins. Augmentez un peu mes vues là-bas. Montez jusqu'à 5000 parce qu'il y a des paroles qui vont sortir, qui vont vous choquer. Ces paroles-là vont vous choquer, oui. Je vais rentrer dans vos vies, m'installer dans vos vies pour vous parler et vous dire la vérité, comme je sais si bien le faire. Bon, il me semble que c'est la vérité. D'autres n'apprécient pas et d'autres même ne reconnaissent pas. Mais bon, peu importe, mais on va se parler. Soyez connectés, voilà. I for connect you, my brother. Give me that, bro. Gee. Les Nadia se foutent des gens. Hey, my brother, so, please. Can I have my sister? Yeah. Call my sister, please. Oh, master, give me that, bro. C'est pas que t'as, bro. Non. Allez, on me tue. Master, da, oh. You don't take my money. If you want to take my money, say, tell me, please. And give me that, bro. Oh, vraiment. Eri, je ne sais pas si vous voyez un peu de chaleur qui se passe dans le pays. Là. Je n'ai pas compris quoi. Je ne sais pas, Sari, je ne sais pas. Si vous sentez un peu la chaleur qui se passe dans ce pays, ça veut dire une chaleur intense à l'africaine. Ça veut dire que tu es assis et puis tu transpires seul. Non, ce n'est pas normal. Est-ce que vous êtes posé la question de savoir qu'est-ce qui se passe? Est-ce la fin du monde ou la fin des temps? Non, soyez posé. C'est la chaleur intense qui se prépare de l'autre côté du palais de la culture parce qu'il y a un événement de Bordeaux de Confort le 20 décembre. Vous voyez un peu? Et tellement ça sera chaud, chaud bouillant. Donc Dieu est en train de vous préparer. Il vous prépare psychologiquement et physiquement pour cet événement parce qu'une chaleur va se positionner. Oui. Parce que dans ce concert, on va prêcher l'évangile de Dieu. Oui. On va prôner l'évangile et prôner l'amour à ce concert-là. Oui. Ce 20 décembre, toute la Côte d'Ivoire sera représentée. Oui. Et merci aussi à tous ces fanatiques qui me suivent, qui me soutiennent. Merci. Juste vous dire que le 20 décembre, ça s'est passé. Ça ne chauffe pas. Voilà. Bon, c'est cette chaleur-là, il y aura au palais de la culture. Donc, Dieu est en train de vous former pour ça. C'est qui ça, là? Champion, il faut me rappeler ici en direct, pardon. Laisse, je te rappelle. Ici en direct, je te rappelle, champion. Oh, avec tes conneries, là. Oh. Donc, vous voyez un peu. Voilà, le 20 décembre, c'est Jinzin. Voilà. Les gens essaient de diaboliser pour dire non, que ouais, Debordo, c'est courant, courant. Non, Debordo, tu as 1500, tu as 900. C'est-à-dire que les paroles des détracteurs, des jaloux, ou un peu non. C'est-à-dire que c'est pas dans quelle optique les Ivoiriens, bon, certains Ivoiriens, ils ne savent pas. C'est-à-dire eux, ils prennent un malin plaisir, ou un peu non. C'est-à-dire, je ne sais pas d'où ils sortent l'hypocrisie, leur haine, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Voilà. Donc, c'est-à-dire, faut qu'on arrête ça, c'est bon maintenant. Vous comprenez un peu, non, faut qu'on arrête ça. Non, Debordo, tu as 15 sons. Tu as quoi? C'est mamie, c'est l'auto, c'est le coin. Tu ne peux pas faire. Voilà, c'est quoi tu as fait qu'on n'a jamais vu. Voilà les artistes étrangers qui se lèvent là-bas et même ils arrivent à 2 sons. Vous mettez à genoux comme maman Nangaï. Ils arrivent à 1 son seulement comme maman Nangaï. N'amboté man en crabe. N'amboté man en cuit. Pas te blinder les conseils. Moi, là, c'est un récapitulatif. On commence depuis mon commencement. Depuis le début de la carrière de Bordeaux Likoumfa, tous ces fanatiques-là, c'est une célébration, c'est notre fête. Tu as été fan de Bordeaux Likoumfa depuis le commencement. Ça dit qu'on dit 2004, 2003, 2004. C'est là qu'il a lancé sa carrière musicale. Tu as été fan là. Voilà, donc là, tout ce qu'il a chanté là, on va regrouper ça en un jour. On va célébrer les anciennes musiques de Bordeaux Likoumfa, les rétro. Vous voyez un peu? Alors, il y a des gens, des écrits qui sont en train d'intoxiquer les gens.
Non, lui, non, il fait quoi son concert? Il a seulement que 2-3 morceaux. Vous êtes bête, hein? Vous êtes bête comment même? Vous êtes bête en haut, mais vous êtes bête en bas. Il y a quel problème? On est des Bordeaux et ses fanatiques, c'est-à-dire mes légionnaires et aussi les Ivoiriens. C'est une fête. Un fils de ce pays fête son événement. 15 ans de carrière. C'est-à-dire, j'ai pris 15 années de ma vie en train de faire danser les gens. Qui sont ça dans les bars, dans les maquis. J'ai consacré 15 années de ma vie. À ce côté chanson seulement, ça n'a rien à voir. Et quand j'ai travaillé en featuring avec d'autres personnes, dans les maquis, tout et tout. Donc, toute une vie, rien que pour vous égayer. Alors, ce jour-là, ici, faites mon événement. Non, vous ne venez pas. Et puis, on vous demande non. Parce qu'il a 15 sons. Alors qu'il y a des artistes qui se déplacent, qui arrivent ici, ils ont un seul son seulement parce qu'aujourd'hui ça prend et puis vous, voilà. Sinon, ils disent, me plaisent. Après, ils disent, mais c'est pour ça que j'aime les Sénégalais. Sénégalais, si tu veux, faut envoyer Rihanna. Faut couler Rihanna et Jay-Z et Beyoncé. Ils n'ont qu'à arriver à Dakar pour dire qu'ils vont faire concert. Si à Warisek ou bien Youssoundou ou bien Ismaëlo ou bien Pape quoi qui fait son mouvement, chez les Rihanna est vide automatiquement. Parce que c'est le Sénégalais d'abord. C'est comme ça. Mais aujourd'hui, il y a certains Ivoiriens qui sont animés par un certain complexe. Ils n'arrivent pas à comprendre. Ils sont complexés. On dit non, si tu n'écoutes pas tant, tu n'es pas la mode. Si tu n'écoutes pas tant, tu n'es pas la mode. C'est un complexe d'infériorité. Ça ne va pas dans ton corps. Oui. Parce que tu ne t'aimes pas toi-même. Tu n'es plus fier. L'Ivoirien n'est plus fier. Où est passée ta fierté? Ben oui, dis-nous, montre-moi. Et c'est ce 20 décembre que tu avais montré ta fierté. Si tu es réellement fier de ton frère de Bordeaux, de Koufa, il faut qu'on apprenne à se respecter. Je ne veux pas rentrer dans une quelconque manipulation. Soit. Non, je suis dans la vérité. Aimez d'abord, aimez-vous vous-même d'abord. Ton pays où tu es là, les artistes qui sont là, il faut les aimer d'abord, adopte-les. Avant que les gens vous respectent. Aujourd'hui, les gens prennent un malin plaisir de pouvoir saboter les artistes ivoiriens de partout. Mais vous pensez que de la même, vous sabotez les artistes ivoiriens? Vous pensez que c'est à nous, artistes, à nous faire? Non, nous, on se lève pour aller pester là-bas. Mais c'est la culture ivoirienne qui est en train de détruire. Vous détruisez la culture ivoirienne. Aujourd'hui, tu mets telle photo de tel artiste, les gens viennent se moquer pour le descendre. Tu en mets que des voilà, on le braise. Tu mets tant, on le braise. Tu dis non, on le braise. Comme si c'est une nouvelle mode. Et demain, quand ça ne va pas dans votre vie, vous appelez, comment il s'appelle, Hassan Ayet, pour qui vous êtes. Mais vous pensez que malédiction, ça vient comment? Où tu es assis et puis tu es maudit dans ta vie, où ça vient comment? Mais ce sont tes rancœurs, tes haines que tu as accumulées dans ton cœur, et puis tu jettes ça sur ton frère, il ne t'a rien fait, et puis tu n'en veux pour rien. Champion, ça là, ça donne cancer. Après, c'est pour appeler Hassan Ayet, pour dire Hassan Ayet, aidez-nous. Ce n'est pas normal. Apprenons à s'aimer. Aimons-nous, aimez vos artistes. On dit aimons-nous vivants. Mais nous-mêmes, on est vivants. C'est-à-dire, les gens ne sont pas du tout contents. C'est-à-dire, tout n'a qu'à mourir, tout n'a qu'à s'arrêter. Non, faut qu'on arrête. Faut qu'on arrête. Faut qu'on change de mentalité. Faut qu'on change de mentalité. Faut qu'on change de mentalité. L'Ivoirien est devenu complexé. Odi n'est plus fier de lui. Il a bien fouillé partout. Partout pour voir un peu s'il y a ferrage quelque part. Il y a quel artiste qui fait mal. Quand tu allais demander, non, que ouais, ah, tiens, nous, dans notre pays, là, on ne voit plus. Depuis notre Arafat est décédé, on ne voit plus. Non. Il était là, vous-même, là, vous l'avez boycotté. Et puis bon, voilà, c'est bien parti. Mais on remercie tout ce qu'il a apporté. Voilà. Nous, on vous dit toujours que nous, on était dans notre game. Voilà, ils nous boostaient pour qu'on travaille. Nous aussi, on les boostait aussi pour qu'ils travaillent. Mais vous, nous avez toujours mis les bâtons dans les roues. Et il est parti là. Ça n'a pas changé. Hein. Ça continue encore. Demain, l'artiste va tomber. Et lui, elle était bien. Et lui, elle était bien. Lui, elle était bien. Lui, elle était bien. Et arrêtons ça. C'est bon maintenant. Passons à autre chose. Quittez dans cet esprit-là. Vous aimez cadavre. Il faut rien. J'aime cadavre. Vous savez, le gars, il est en pleine vie. Ça ne lui plaît pas. C'est son cadavre là que tu veux aimer. C'est son cadavre que tu veux adopter. Arrêtez de vous mentir. Tu te mens. Autant tu aimes le cadavre de celui qui est tombé, c'est au moins toi aussi ils vont aimer ton cadavre. Ça vient. On dit aime ton camarade vivant. Toi, c'est quand il est mort, tu fais ses éloges. Co-perfection divine. Tu l'accordes tout.
C'est là que tu as lieu de donner ton argent, ton soutien pour que je t'aime. Je suis femme, tu es un bâtard, tu es un menteur. Et tu es un amphérique. Un amphérique, c'est ceux qui vont directement en enfer. On les appelle les amphériques. Faut qu'on arrête. Soyez fiers de vos artistes. On est là pour un mouvement. On est là pour un mouvement. Et puis, il y a des gens qui boycottent. Ils veulent tout boycotter. Ils veulent tout boycotter. Non, moi, on coupe les galères, il n'entend plus. Ça m'intéresse même plus même. Mais on s'en fout que ça t'intéresse ou pas. On s'en bat les couilles, sa mère. On s'en fout. Ceux qui aiment De Bordeaux, ceux qui aiment Beno, ceux qui aiment Ariel, que, comment on appelle ça, Kedjifara, qui aime DJ Mix, DJ Léo, tout ça, ils sont là. On continue le combat. Pas c'est de ça qu'on violera Léo. Mais aujourd'hui, les gens sont jaloux seulement. C'est à quoi? C'est-à-dire, vous prenez tel artiste, vous le descendez jusqu'à sa mort. Vous prenez tel artiste, vous le descendez jusqu'à sa mort. Vous prenez tel artiste, vous le descendez jusqu'à sa mort. Vous voulez nous tuer, nous tous. Mais Dieu ne va pas permettre ça. Que la longévité et la santé planent sur tous mes collègues artistes du coupé décalé. Et retenez surtout que Dieu a sa main sur vous. Vos détracteurs ne vous atteignront pas jamais. Que l'onction de Dieu soit sur vos vies. Et qu'il veille chez vous. Et ce combat du coupé décalé, nous allons rehausser tout ce combat et l'image de la musique et de la culture ivoirienne. Vraiment, merci pour tout ce que vous faites. Et on me demande de Bordeaux, pourquoi tu n'as pas fait sortir que du sale? Attends, il vient. Les gars, si vous m'avez fait beaucoup de choses, transpire. Attendez, il y a monsieur, il y a mes branches, s'il vous plaît. Attends, il y a quand même un petit peu, voilà. Ouais, désolé, transpire, désolé. Non, que des ballots, tu transpires. Il est en bonne santé. Ouais, c'est en bonne santé. Donc, je le disais tantôt. Donc, très chers artistes, coupez les calais, ne vous découragez pas. Armez-vous de force. Et profitez de toutes ces critiques-là pour verser un peu la honte. Et si ces détracteurs-là qui essaient de vous mettre les bâtons dans les roues. Voilà, moi j'ai compris la situation, donc ils ne rentrent pas dedans. Maintenant, en ce qui concerne la sortie du Que du Sale, voilà. Vous voyez, j'ai annoncé Que du Sale le 20 novembre. Non, des bordeaux de Que du Sale doit arriver, tout ça, tout et tout. Vraiment, on a attendu Que du Sale. Que du Sale ne va pas sortir, mais Que du Sale va sortir le 20 décembre. Parce qu'il faut être un peu stratégique au niveau du marketing. Voilà. Que du Sale est déjà sorti, mais Que du Sale sortira officiellement le 20 décembre au Palais de la Culture. C'est là où j'allais écouter. Je sors trois bombes en même temps. Il y a Que du Sale qui sort. Il y a Tabacou de rêve et puis il y a Hommage en même temps. Voilà. À mon ami Didier. Trois sorts en même temps. Trois sont sortes. Voilà. En termes de marketing, je ne sais pas si les professionnels me comprennent, mais c'est comme ça. Et tu dois écouter ces sons-là, tu vas te déplacer, tu vas arriver là-bas. Voilà. Mais les gens ont tendance à dire, non, calmez-vous. Vous allez écouter ça à mon concert. Et si tu veux écouter le son, tu viens le jour le 20 décembre. Dans toutes les sorties, là, c'est le 20 décembre, tout va sortir. Donc, je vous attends. Bon, pour ces fanatiques un peu qui ont veillé, un peu qui ont attendu, excusez-moi, mais soyez clair. J'ai pris cette résolution, voilà. Parce que voilà, c'est une stratégie. Voilà. Donc, voilà. Donc, on nous dit le coupé décalé est mort. Non, le coupé décalé n'est pas mort. C'est vous-même qui avez tué vos mentalités. Voilà. Vous tuez le coupé décalé avec vos esprits de haine. Voilà. Votre esprit sorcellerique. Vous envoyez ça partout, vous déversez ça partout. Voilà. Une jalousie même qui n'en dit même pas son nom. Voilà. Ça dit, tu travailles même, tu te demandes même si le métier même que tu fais là. Est-ce que ça en vaut la peine? Parce que tu fais. Voilà, Beno, il a fait sortir son son. Bourrou, les gars sont allés. Ils ont décortiqué, diabolisé le son jusqu'à... Il ne sait même plus où son Benoît est parti. Pourquoi? Détesté, je ne sais pas. Je ne comprends pas. Il y a des gens qui s'asseyent, qui viennent vous rapporter n'importe quoi juste pour être célèbre. On n'a qu'à dire non, que ouais, eux, quand ils parlent, automatiquement, le son se gâte. Et si c'est fini. C'est-à-dire que vous prenez plaisir dans la destruction de vos camarades. Et puis toi, tu penses que le karma ne va pas te rattraper. Tu as menti. On dit quand tu craches en haut, il faut être sûr qu'il y a goutte qui a tombé sur toi. Ça ne chauffe pas. C'est le jour que tu ne connais pas, mais ça va te rattraper.
Oui, ça chauffe pas, champion. Moi, je suis un cabri mort. Ça dit, moi, je m'en fous. Moi, tu m'insultes pas. C'est ton problème, champion. Parce que il dit, je chante ce que je veux. Je chante à quel délit je sors, mais sans quand je veux. Je n'en ai rien à foutre de ce que tu peux penser. Studio, c'est moi qui paye. Oh, mais il y a des ballons, tu n'as pas de studio. Qu'est-ce qu'il y en a à foutre d'un studio? Studio, là, c'est comme un mauvais studio. Studio, là, quand tu te concentres bien là, pour faire studio, c'est 200 000. Et tous les sons, et 4 sons, tout ça fait 200 000. C'est 200 000, moi, des ballons, il n'y en a pas. Je suis désolé, je ne m'intéresse pas. Voilà. Et on dit toujours, même un médecin qui est malade, c'est autre médecin qui le soigne. Est-ce que vous comprenez ce qu'il veut dire? Voilà. Donc, il faut qu'on apprenne à se respecter. Voilà. À chacun son travail. Voilà, My System, le plus dangereux ici, internationalement parlant, au niveau du sous-groupe. Voilà. Eux, là, ils ont arrangé. Voilà. Puis Olivier est toujours là. Les gars courent toujours derrière. Justement, chaque personne a sa destinée. Ne venez pas mélanger les choses. C'est quand tu ne connais pas ta destinée que tu te mélanges. Tu comprends un peu? On dit, toi, là, où tu es là, là? Où tu es assis là, là? Toi, là, tu es né pour être arrangeur. Si tu veux chanter, oui, c'est par moment. Mais ça ne peut pas avoir la même grandeur que celui qui est né pour chanter. Donc, à chacun son poste. Non, Debado, ouvre-toi un studio. Je m'en fous des studios. Voilà. Donc, les amis, attendez que du sale arrive. Et c'est ce 20 décembre, tout ça, là, ça a sorti. Que du sale, Atalakou de rêve, et puis, comment on appelle ça même? Hommage à Arafat. Tout ça là, ça a sorti là-bas. De toute façon, on va fredonner. J'ai tous les sons ici. J'ai bien envie de vous faire écouter. J'ai tout ça ici. J'ai bien envie de vous faire écouter. Ben, je ne veux pas parce que les mentalités sont mauvaises. Oui, changez de mentalité. Encouragez vos artistes. Vous ne nous donnez plus envie de travailler. Vous ne nous donnez pas envie de travailler. Donc, si vous coupez les calumeurs, mettez-vous en tête que la musique, ils vont avoir mourir et vous allez subir un envahissement pas possible des autres nations si cette Côte d'Ivoire. Et c'est en train de venir. Et vous, comme vous êtes. Vous êtes complexé, vous êtes en train de rentrer dedans. Mais on vous regarde. Continuez. Mais une chose est claire, moi, Debado Likoum, ma célébration avec mes typiques fanatiques, les légionnaires, entre parenthèses, entre guillemets, et aussi mes compatriotes ivoiriens, mes frères, vous êtes conviés à cet événement pour juste rehausser la culture ivoirienne et montrer combien de fois on peut être solidaire autour de notre culture et autour aussi de notre musique et autour aussi de la Côte d'Ivoire. Parce que ce concert est basé sur la réconciliation et paix. Voilà. J'ai même invité même des autorités qui ont répondu voilà, à cette invitation au calme. Ils seront là. Que je salue au passage mon père spirituel, M. Amadou Gon Koulibaly. Papa, là où tu es, que Dieu t'accorde de la longévité. Il y a le père, comment on s'appelle, Ahmed Bakayoko. Oui, ça c'est la pièce maîtresse. Là, on ne peut pas. Ouf, ça c'est ouf. Vous voyez un peu. Il y a Adama Big Togo, mon vieux père qui est là. Il y en a plein. Il y en a plein. Le père Bouyaté de la police, tout le monde, ils sont motivés. Ils sont motivés. Mais je ne comprends pas pourquoi les populations sont en train de se diaboliser pour détruire vos artistes, vous les détruisez. Maintenant, quand vous nous vendez comme ça, là, demain, là, quand les autres nations nous regardent, là, ils vont où? Est-ce qu'ils vont nous considérer? Non, non, rien à foutre. Vous pensez que les Camerounais, vous pensez que les Burkinabés, vous pensez que les Sénégalais, vous pensez que les autres nations vont diaboliser les artistes comme ça? Jamais de la vie. Ils ne feront pas. Ils ne vont pas vendre moins chez les artistes. Mais c'est ivoirien seul quand tu leur demandes, non, c'est nous, oui, c'est nous. Hein. Vous êtes fiers dans le mauvais sens et dans la méchanceté. Oui. Moi, je ne vois pas quelle fierté on doit avoir en étant méchant. C'est pas normal. Voilà. Donc, débordons les confards et de ne surtout que recouper les calés. J'ai fait appel à tous mes collègues artistes. Voilà, ne soyez pas envahis par les mauvaises critiques, mais les critiques qui ne sont pas fondées, les critiques n'importe comment, voilà. Mettez-vous au travail, c'est maintenant que ça commence. Puis moi, mais c'est maintenant que mon coupé de gada a commencé. Voilà, voilà. Dieu m'a fait un don qui est la musique. Et je n'ai pas besoin de rentrer en clash avec quiconque, ou clash avec quiconque pour vous voir monter en puissance. Et je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver que la santé, la longévité... Dieu nous l'accorde. Vous allez voir ce qui va se passer. Et on est dedans. Voilà, 2020 arrive. On va se mettre au travail. Et les Ivoiriens vont danser. Voilà. Donc, soyez sans tout. Oh, mais il faut me rappeler. Moi, je suis en direct, pardon. Oui, c'est quand on m'a fait direct, vous appelez les gens. On n'a pas dit quoi même. Alors, j'ai reconnu tous les bordeaux. Arrêtez de faire chier les gens. Oh. Donc, oui, un peu. Essuyez-moi un peu pour la sueur artistique. Oui, c'est normal. Un artiste, c'est vrai. Un artiste, voilà, doit transpirer. Voilà. Voilà. Donc, déjà, on se prépare tous pour le 20 décembre au Palais de la Culture de Bordeaux-Likoumfa. Donc, soyez concentrés, restez concentrés. De Bordeaux-Likoumfa arrive. En tout ce qui concerne le cœur du sale, voilà, j'ai été clair. En mot de marketing et stratégie,
On va se donner rendez-vous le 20 décembre au Palais de la Culture. Comme ça, on vient d'écouter que du sale et tous les autres sons. Voilà, donc merci. Mais pour l'heure, j'aimerais inviter aussi, j'aimerais vous rappeler que le dimanche 8 décembre, il y aura un match, un super, c'est-à-dire une activité sportive. Il y aura un match des galas. Un match des galas qui va se dérouler dans la place. Je vais vous communiquer les lieux, tout et tout. Dans la place. Qui opposera les vétérans de l'Aïe, les éléphants de Côte d'Ivoire, les Kalou Bonaventure que vous avez connus, Kalou Bonaventure, Maestro, les Traoré Kandia, les Kare Keita, les Didier Drogba, tous ceux-là, voilà, des bâtons de confort pour les 15 ans de carrière, ils viendront jouer au foot avec l'ensemble des artistes de Côte d'Ivoire. C'est ce 8, je dis bien ce 8 décembre prochain, c'est un gala de Bordeaux pour les 15 ans de Bordeaux de confort. Voilà, comme qu'il devra la faire pour son concert. Même chose, peut-être même dans cela même où on a joué là, mais en mode grand poteau, pas moi, petit poteau, c'est trop faible pour moi. Donc voilà, tous ces vétérans là, tous les vieux pères, les anciens seront là, et mes camarades du Stella d'Adjamé, voilà, gens de la force qui s'entraînent là-bas, eux aussi seront là. Mes amis du Tchintin, de Yopougon, Maroc, Toi Rouge, du Maroc, pardon, mes amis du Tchintin, eux aussi seront là. Donc on va faire un petit tournoi, et puis tout le monde va jouer, on va se faire plaisir, avec une coupe à l'appui, tout et tout. Vous allez voir, ça va bien se passer. Voilà, on est en train d'organiser et ça va bien se passer. Donc retenez cette date le 8, je dis bien le 8, 8 décembre, 15h. C'est B, et tous les anciens. Même Daizoko, il sera là. Même s'il n'a pas joué, il va s'asseoir, il va regarder. Voilà. Monsieur le nouveau président de la FIF, on vous attend le 15. J'ai dit le 15, pardon. On vous attend le 8 décembre. Voilà. Donc le 8 décembre, on vous attend de l'autre côté. Pour le match de gala. Donc voilà. Bon, il dit Yaya. Bon, Yaya c'est Yaya Abidjan. C'est Drogba qui est là. Hein? Ouais, c'est mon parrain, merci. C'est là. Non, Hachman est bien. Et non, Hachman est de l'autre côté. Mais tu vois, comme Drogba est là, on joue avec lui. On joue avec Drogba, tout ça. Voilà. Donc, à tous ces détracteurs, non, de Bordeaux, les confards, on te boycotte dans la nuit champion. C'est un conseil qui est déjà rempli à des années-lumière parce que Dieu a sa main dedans. Oui, l'onction de Dieu plane actuellement, vous n'étiez pas présentement sur cet espace-là. On parlait de la culture. Voilà. Et les âmes sont en train de se préparer à venir à cet événement. Oui. Donc là, ce qui va se dérouler, si tu sais que tu n'as rien, il faut fermer ta bouche, ta bève. Ta bève. Ya bève! Shout your babe, you know. Yeah. If you have your babe, shut up. Come on, dis-moi le bonhomme. Shut the fuck up, your babe. You know. Yeah. Ok. Mesdames et messieurs, c'était moi de Bordeaux le confort, votre serviteur de tous les temps. Voilà, c'était juste vous dire que je suis là. Voilà. Je suis là. De Bordeaux le confort. Et merci aussi à tous ces artistes qui m'ont envoyé de nombreuses vidéos. Merci. Tout le monde est convié, il dit bien tout le monde est convié à ce concert, cet événement. C'est là qu'il voit qui est prêt pour des Bordeaux et qui n'est pas prêt pour des Bordeaux. Voilà, d'autres vont dire non, c'est parce que j'étais occupé, mais on est là, on les regarde, vous comprenez un peu. Voilà, parce qu'il y a des gens, quand ils vivent, ils sont pas prêts pour toi, mais quand tu es mort, ils aiment raconter réellement combien de fois ils ont partagé plusieurs choses sorties de ces photos pour venir raconter n'importe quoi, pour dire non que ouais, c'est quoi. Mais ne vous inquiétez pas, la longévité, Dieu nous a accordé. Vous voyez un peu, raison pour laquelle je demande à Dieu d'accorder un peu une certaine longévité à mes ennemis, afin que je puisse leur montrer qui je deviendrai à cause de Dieu, par rapport à Dieu et pour Dieu, le Père Tout-Puissant, Jésus qui Nazareth à sa main, si votre fils que je suis de Bordeaux les confait. On est d'accord? Donc mettez Dieu dans tout ce que vous faites, car il n'y a que Dieu. Seul Dieu est Dieu. Donc, ne vous laissez pas embobiner ni mélanger. Hein? Voilà. Posez des bons actes autour de vous. Aimez-vous. Et ayez la force du pardon. Voilà. C'était moi, Bordeaux le confort. Un rendez-vous à respecter le 20 décembre, Palais de la Culture. Voilà. 15 ans de carrière, ça va se savoir. Merci pour tout. Et merci aussi pour vos soutiens de part et d'autre. Voilà. On reste concentré sur l'objectif. Right. Stay focused. You know what I'm saying? Stay focused. Voilà. Donc, on demande un petit atalakou. Bon, j'ai improvisé un petit atalakou là. Oh, quel atalakou il y avait même? Oh, y'a eu mon dieu. Ma bali ma dame de ma bali ma dame. N'kara ma dame ma dame.
On va rappeler ce qu'on avait chanté l'automne. Rendez-vous des parrains de la guerre, tous les morts invités le 20 décembre. Annecy, tout paradé, tout paradé. Merci les gars, c'était moi le mimi. Il tombait, Dieu vous bénisse.